Ça fait une plombe que j'essaie de ramener. Évidemment, pas assez drôle comme ça. Youtubeur du pauvre, allez. Mimi, viens. Hop là. Regarde un peu l'exception que je te fais. Ouais. Ben, je m'y reprendrai deux fois la prochaine fois que je dirai que je te mets dans une vidéo. Aventurière, aventurier, bonjour. À l'heure où je tourne cette vidéo, la chaîne YouTube a atteint 530 abonnés. Il s'agirait de faire plus parce que j'ai besoin de YouTube Money, moi, donc... Non, plus sérieusement, ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et pour fêter ça, on va tenir une petite promesse qu'on s'était fixée à la vidéo sur les musiques de films qui se ressemblent. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je suis YouTubeur. Et voilà! On est parti avec une FAQ avec le chat. T'es content d'être là? Oui. Tu vas me rapporter plein de vues. Plein de vues. On est parti. Je vais chercher les questions. Question de AEG Skype. Comment as-tu eu l'idée de lancer ta chaîne YouTube? Alors. Faut savoir que j'ai toujours voulu faire de l'audiovisuel, ça a toujours été une passion, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en faire. Alors que j'étais en pleines études, je me suis dit, bah Thierry, il serait temps que tu fasses quelque chose qui te plaise. Et évidemment, YouTube, c'est un milieu dans lequel j'étais extrêmement curieux. Je regarde absolument tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire du piéton? Même des trucs que je sais que c'est pourri, je vais regarder parce que je vais toujours me dire mais qu'est-ce qui fait pour que ça marche? J'essaie toujours de tirer des leçons de ce que je regarde, même si je sais que c'est pourri. Donc je regarde n'importe quoi. En fait, je suis un pigeon. J'ai toujours été extrêmement curieux de YouTube. Allez, casse-toi. Eh ben, vous l'avez lu, chat. Hein. Donc oui, YouTube. Et du coup, en étant curieux, je me suis dit, bah, pourquoi moi, je ferais pas des vidéos? Avant de lancer la chaîne, j'ai mis un an à réfléchir sur le sujet, à me dire, ok, si je fais une chaîne YouTube, de quoi est-ce que je parle? Comment est-ce que je fais? Est-ce que je filme ici? Est-ce que je filme en plein air? Est-ce que je filme avec mon téléphone ou est-ce que je m'achète une caméra? En ce qui concerne le contenu, j'ai pas forcément réfléchi là-dessus. Je me suis juste dit, je fais ce qui me plaît. Je me dis, j'ai envie de parler de Donjons et Dragons, je vais parler de Donjons et Dragons. J'ai envie de parler du Seigneur des Anneaux, je parle du Seigneur des Anneaux. Le but de la chaîne, c'est vraiment de m'essayer à plein de trucs, que ça soit les sketchs, analyser, critiquer quelque chose, et raconter des histoires, tout. La chaîne, c'est un prétexte pour essayer plein de choses. Et si un jour, il y a un truc qui me plaît plus qu'autre chose, eh ben, je me ferai un peu plus là-dedans. Voilà. Question suivante. Question de Farendil. Pourquoi le grimoire d'Arthur? Grimoire pour le côté heroic fantasy, Arthur, parce que je voulais que ça soit un peu plus... J'avais envie de mettre mon prénom à la chaîne. Je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. Ça rendait le truc plus identifiable. Et pour la petite anecdote, avant, je voulais appeler ça la chaîne du geek. Et pour une fois... Je crois que j'ai pris la bonne décision. Alors, question suivante. Comment as-tu découvert le Seigneur des Anneaux? Bah, je l'ai regardé. Non, oui, comment j'ai découvert? Bah, on me l'a teasé toute mon enfance, en fait. Je me souviens que mon grand frère me l'avait montré, et il mettait pause tout le long du film pour m'expliquer. Je sais pas quelle tête je devais faire, mais à mon avis, il a dû comprendre que j'avais besoin d'explications. C'était marrant. Et pourquoi cette passion? Bah tout simplement parce que ça a fait mon enfance. L'heroic fantasy de manière générale, ça a fait mon enfance. Et mon adolescence. Parce que pour moi, c'est des films qui sont... Je vais pas dire complets, parce qu'il y avait forcément, il y avait évidemment des défauts dans ce film. Je vais pas en citer parce que j'en sais rien. Mais oui, ces films sont pas parfaits. Et je comprends totalement les gens qui n'aiment pas ce film, parce que c'est très long, c'est un univers hyper complexe. Et voilà, on a le droit de pas aimer, hein, aucun problème. Après, préférer Harry Potter, c'est quand même un crime, mais bon... Non, plus sérieusement, personnellement, chaque fois que je les revois, je découvre un nouveau truc que j'avais sous-estimé avant. Que ce soit la musique, les acteurs, le décor, même les accessoires. Pour moi, c'est le film le plus riche que je connaisse. Voilà. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup les films, mais pas seulement en tant que film, aussi en tant que projet. C'est-à-dire que j'ai une admiration profonde pour toute l'équipe qui a bossé sur ce film. Pour moi, c'est un monument, et pas juste au sens « c'est le meilleur film du monde », mais vraiment au sens où c'est comme si t'étais fan des pyramides. C'est-à-dire quand tu vas les voir, tu te dis « non seulement c'est très beau, mais en plus tu te dis « mais les mecs qui ont fait ça !» Mais les génies! Voilà. Pourquoi cette passion? Parce que c'est une pyramide. Démerde-toi avec ça. Pour moi, les gens qui ont fait ce film, c'est des gens qui ont vécu une aventure, et une aventure comme celle-là, j'ai envie de la vivre. Question suivante! Une question de Ascali.
J'espère que je n'écorche pas les noms. Quels univers sont chers à ton cœur? Et quelles autres œuvres de Tolkien aimerais-tu voir adaptées au format vidéo? J'ai pas forcément d'avis là-dessus. En termes d'univers, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'heroic fantasy. Ça c'est sûr. Comme je vous l'ai dit au début, je suis quelqu'un de très curieux, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a Alita qui va sortir. Et même si je suis pas très science-fiction, et même si ça a l'air vraiment très spécial au niveau de l'univers, je vais quand même aller le voir parce que bah, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais adorer, ça se trouve, je vais détester. Donc, quels autres univers? Bah, un peu de tout. À l'inverse, je peux te dire ce que je n'aime pas. Je suis pas fan de steampunk et l'univers horrifique. Est-ce que j'attends que d'autres œuvres soient adaptées? Franchement, non. Les autres œuvres de Tolkien, franchement, c'est pas que je m'en fous, mais pour moi, Tolkien au cinéma, c'est Le Seigneur des Anneaux. À la limite, Le Hobbit. Même s'il a quelques défauts, il a aussi des bonnes qualités. La série du Seigneur des Anneaux, je l'attends pas du tout. J'irai la voir, évidemment, mais si elle est pourrie, bah tant pis, c'est pas grave, je retournerai voir Le Seigneur des Anneaux. Et pareil pour toutes les autres œuvres de Tolkien. S'ils adaptent le Silmarillion, bah qu'ils essayent, moi je veux bien voir ce que ça donne, mais ça va être compliqué. Et s'ils le font pas, tant pis, j'ai les livres, c'est très bien. Et quels sont tes réalisateurs préférés? Mais là c'est pareil, j'ai pas forcément d'avis. Même Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, évidemment j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas pour autant que j'ai vu tous ses films et que j'ai adoré tous ses films. Si je me trompe pas, c'est lui qui a réalisé aussi Lovely Bones, qui est pas du tout un film de mes films préférés, donc. Mais Lovely Bones c'est très bien, c'est juste que devant le film j'ai juste fait Ah oui? Hein? Oui? Ok? Hein? Oui? Spécial? Bah à l'inverse, pareil, je peux te donner un réalisateur que je n'aime pas, Tim Burton. Charlie et la chocolaterie, je l'avais vu quand j'étais petit, il m'avait traumatisé. Mais objectivement, il est très très bon, je dis pas qu'il est mauvais, c'est juste que je ne l'aime pas. C'est compliqué une FAQ, c'est compliqué. Question suivante de Thomas. Top 10 de tes films préférés sans Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si je vais te trouver 10 films comme ça, mais je vais t'en donner une petite... je te donne ce qui me passe par la tête. Les Trois Dragons. Est-ce que je dis ça surtout parce que j'ai vu le 3 la semaine dernière? Oui. Je vais retourner le voir une deuxième fois parce que sa fin m'a complètement foutu une baffe monumentale. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo sur Sinbad. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. C'est une histoire pour enfants, mais il y a aussi une grande profondeur. Et tu peux, du haut de tes 30 ans, pleurer devant ce film, quoi. C'est vraiment puissant et sincère. Et c'est ça que je kiffe avec DreamWorks. Et le 3... Le 3, je dis rien. Le 3, je dis rien, mais je dis juste que la fin. La conclusion de la saga. Allez voir ça. Quoi d'autre? Les Sentiers de la Perdition. Ouh, c'est ça, c'est clairement le genre de film que j'ai beaucoup aimé, sans pouvoir expliquer pourquoi. Il y a un truc qui m'a touché dans ce film. Il y a une ambiance, la relation père-fils est géniale, la musique est absolument géniale. Thomas Newman, toujours, évidemment. J'ai découvert la musique de ce film avant de découvrir le film. Et je me souviens qu'en fait, il y a une musique, je crois qu'elle s'appelle The Farm, et je m'étais imaginé une scène dans la tête, en écoutant cette musique, et il se trouve que la scène du film dans laquelle on retrouve cette musique ressemblait énormément à ce que j'avais en tête. Donc vraiment, c'est un film qui me parle, quoi. C'est vraiment un film qui me parle. Et Tom Hanks, évidemment. De toute façon, quand il y a Tom Hanks, c'est bien. Donc voilà. Paye ta critique de YouTuber. Dans l'ombre de Marie aussi. Parce qu'il y a Tom Hanks. Tom Hanks et Thomas Newman. Allez, vas-y, c'est bon. Dans l'ombre de Marie, qui est très sympa, ça raconte l'histoire de Walt Disney qui adapte le livre de Mary Poppins au cinéma. J'aime beaucoup l'ambiance du film. J'allais dire l'ambiance années 60, si c'est bien la bonne année. Je crois. Et j'aime beaucoup le côté... making of en film. C'est une histoire qui raconte la création d'un film. Et ça, ça me plaît beaucoup. Donc dans l'ombre de Marie, très sympathique. Le dernier samouraï. Parce que ce film pète la classe. Parce que l'ambiance samouraï... j'arrête pas de dire à chaque fois l'ambiance. Le film est super cool, les bastons sont absolument géniales, la musique, évidemment. Le personnage de Nathan Algren est vraiment super. Ok, on continue. Les deux premiers Narnia. C'est ce qui a fait mon enfance. C'est ce qui a précédé le Seigneur des Anneaux pour moi. Le 1, je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais le 1 me rendait fou. Musique de Harry Gregson Williams. Juste le délire du monde magique, rien que ça. En plus, quand j'étais petit, on me comparait à Edmund. Et moi, ça m'allait complètement bien. Je voulais totalement être à la place de ce personnage, quoi. Un autre film, Nemo. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Non, enfin, non. Le premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais genre 3 ans. Et c'était Le Peuple Migrateur. Et avec mon frère, on comptait les oiseaux à l'écran. Ouais. Et le premier film que j'ai vu au cinéma dont je me souviens, c'est Le Monde de Nemo. Je me souviens que le son du film m'avait énormément marqué. Parce que le fait d'entendre les poissons se déplacer dans l'eau, c'était trois fois rien, mais pour moi c'était absolument génial, quoi. Allez, un dernier film, Man on Fire. Allez le voir, il est un peu violent, mais il est bougrement bien. Je pense que c'est le meilleur film de Denzel Washington que j'ai vu. Une tuerie. Voilà, elle était très longue ta question, Thomas. Question suivante, à quand un petit live gaming? Et est-ce qu'un Discord est prévu? Alors je mets ces deux questions ensemble.
parce que je vais y répondre avec une seule phrase. J'ai une connexion internet dégueulasse. Si vous me suivez sur Twitter et Facebook, vous avez peut-être vu quelques photos qui vous montrent que la dernière vidéo que j'ai postée, elle a mis à peu près 18 heures à s'upload. C'est bon ? Donc, Discord, c'est pas forcément prévu pour l'instant. Peut-être plus tard quand j'aurai une meilleure connexion. Et live gaming, franchement, j'aimerais bien faire du gaming. Ça pourrait être sympa. Donc, à petite dose, mais pareil. Live gaming, Twitch, tout ça, ça pourrait être intéressant, mais pas tant que j'aurai une très bonne connexion et tant que je serai sûr que je pourrais. Enfin, je veux pas que mes lives ressemblent à. Allô, et tu m'entends ? Et là, vous m'entendez ? Le son ? Quoi ? Non ! Bon, bah voilà, ça je veux pas. Donc, non, pas pour l'instant. Est-ce que tu connais le festival Normand Cidre et Dragon ? Et si oui, y as-tu déjà allé ? Non, je n'y suis jamais allé. Mais il y a Cidre et Dragon dedans, donc je pense que je vais y aller. Question de Jérémy, Changelin ou Changelin. Changelin ? Dis-moi dans les commentaires si j'ai bien prononcé ton prénom. Penses-tu prendre les armes un jour et essayer un vrai GN, grandeur nature, de 1 à 3 jours digne de ce nom, pour le fun ? Et si tu devais créer un GN, quels univers te plairaient ? C'est un peu la même question que tout à l'heure, les univers, je suis curieux de tout. Oui, pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa de faire une vidéo là-dessus, mais ça demanderait pas mal d'organisation. Donc c'est pas prévu pour l'instant. Mais peut-être un de ces quatre. Ouais. En tout cas, l'expérience du Trollball à Plois pour la convention sur les terres de l'Unique était très sympa. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, il y aura une seconde édition. Donc allez-y, ça va être bien. Question suivante. Suite pour les vidéos de Donjons et Dragons ou une deuxième vidéo sur personnage de personnage. Oui, j'aimerais bien. J'écris plein de trucs en même temps. Ça peut être des sketchs, des vidéos, des trucs qui durent une heure, des séries de vidéos, avec plein d'épisodes et tout. Et il y a un dossier Donjons et Dragons, et il y a un autre dossier personnage de personnage avec des épisodes que je suis en train d'écrire. Mais je ne tournerai rien avant d'être sûr que l'épisode sera bien. Et comme je fais tout seul, c'est très compliqué à faire, surtout personnage de personnage. Je joue 5 personnages en même temps. Mais j'ai beaucoup aimé la faire et j'espère la refaire. Maintenant, je suis assez limité en termes de moyens. Donc voilà. Des vidéos sur Donjons et Dragons, oui, ça je veux en faire, je veux en faire plein, je veux en faire des super, mais ça prend beaucoup de temps, c'est prévu. Quand, je sais pas, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, peut-être demain, on sait pas. Mais je travaille dessus. Voilà. Comment as-tu créé ton image pour la chaîne ? C'est moi qui l'ai dessinée. C'est pas vrai, l'image de la chaîne a été créée par Pauline, ma cousine, que je remercie encore une fois. On dit tous merci Pauline pour le dessin. Dernière question. Pourquoi 500 abonnés alors que tu en mérites plus ? Une question très intéressante. Comment dire ? 500 abonnés, c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est pas avec ça que je vais faire de l'argent. C'est pas avec ça que j'ai une carrière de youtubeur. Mais franchement, je m'en fous complètement. Si demain j'ai 2 millions d'abonnés, c'est super, tant mieux. Mais mon objectif, c'est pas de devenir youtubeur, de gagner de l'argent avec ça, et de... Enfin voilà. Si ça m'arrive, tant mieux. Si ça m'arrive pas, tant pis. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif que j'ai eu en lançant la chaîne, c'est de faire des vidéos. Si vous me suivez depuis le début ou si vous êtes curieux, allez voir les premières vidéos que j'ai faites, qui sont absolument dégueulasses. Et c'est ça ma fierté sur la chaîne. C'est de me dire qu'au bout d'un an et demi, j'ai progressé et mes vidéos sont de mieux en mieux. Je dis pas que c'est non plus du grand art, mais pour moi, mon objectif, il est là. C'est de faire mieux à chaque vidéo. Pour l'instant, c'est le cas et j'en suis très content. Maintenant, si vous trouvez que je mérite plus d'abonnés, j'ai envie de dire, le job vous revient. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la suggérer à des proches. Le meilleur moyen, si vous trouvez que je mérite plus d'abonnés ou plus de vues, c'est tout simplement de partager les vidéos et partager la chaîne. Mais oui, pour revenir sur les 500 abonnés, franchement, avec le recul, je pense même que c'est une très bonne chose. Je pense, s'il y en a comme vous qui débutent sur YouTube, ça y est, le mec, il a 500 abonnés, il fait des conseils pour youtubeurs. Yes, si vous commencez sur YouTube, si vous lancez une chaîne YouTube, posez-vous des questions simples du style « Si je gagne pas d'argent avec cette chaîne, est-ce que j'ai quand même envie de le faire ?» Si la réponse est non, ça sert à rien de faire une chaîne. Parce que le but d'une chaîne YouTube, c'est de faire des vidéos. Avant tout des vidéos. Et je pense sincèrement que, aujourd'hui en tout cas, pour faire des bonnes vidéos, c'est important d'y aller progressivement. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui se passe. Et j'en suis très content. Donc vraiment, 500 abonnés, c'est vraiment beaucoup. Faut se dire ça aussi. Aujourd'hui, on se dit que c'est pas beaucoup parce que les grands YouTubeurs ont 12 millions d'abonnés. Mais c'est juste qu'on se rend pas compte, tout simplement. 500 personnes, c'est beaucoup. Avec 500 personnes, je remplis une salle de cinéma. Enfin bref, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai que 500 abonnés que je suis en boule dans mon lit le soir à me dire « Ah, j'ai que 500 abonnés, je suis une merde !» Non, je suis très content de ce que je fais sur YouTube, vraiment. Après, bon, si vous voulez me rendre célèbre, allez-y, hein. Moi, faites ce que vous voulez. Et ben, on a fait le tour. Merci d'avoir regardé la FAQ, tu peux t'abonner à la chaîne, me suivre sur Facebook et sur Twitter. C'était votre humble serviteur, à la prochaine. Allez, fini.